Fragan, dans une société qui apparaît de plus en plus éclatée, penses-tu que la reconnaissance de la diversité sociale, de la diversité culturelle, peut être un facteur d'insertion? Alors, ça fait plus d'un siècle que la République, tant les gouvernements de gauche que les gouvernements de droite, considèrent que la France est une nation, un peuple et possède une langue unique et tente par tous les moyens d'effacer toutes les diversités culturelles. On peut même largement parler même d'acculturation. À droite, vers l'extrême droite, on a même tenté d'opposer le français de souche aux migrants. À gauche, on a parlé d'intégration, ce qui renvoie à la notion d'acculturation. Nous, à l'UDB, on préfère parler d'insertion. Je donne pour exemple, très connu historiquement, l'enseignement du fameux « Nos ancêtres, les Gaulois » en Algérie française ou aux Antilles. On peut aussi parler de la volonté de faire disparaître la langue bretonne, comme si elle était inférieure à la langue française, qui là, dans la logique de l'égalité de la République, on n'y est pas du tout. Et puis encore aujourd'hui, j'ai un ami libanais qui a demandé sa nationalité française. On lui a fortement conseillé de changer de prénom et de franciser son nom de famille.